Salut tout le monde, c'est Waller. Salut tout le monde, c'est STA2LEN2OBO. Ouais! Juste le mot? Bon, c'est juste le mot. D'accord. Et donc aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu qui sortira en 2015, une exclusivité mondiale qu'on vous propose. Alors, Ça s'appelle comment? c'est un jeu de chasse, ça s'appelle Cabela's Hunt. Bon, on vous dira le nom après exactement. De toute façon, vous avez le nom sur le titre de la vidéo. Et on va le voir après quand on retournera au menu principal. Alors, pourquoi mettons-nous cette présentation d'un jeu qui s'annonce juste fantastique? Donc, jeu de chasse, hein. Bon, je peux te dire, c'est sympa. Oui, c'est pas le premier du genre non plus. Voilà, alors. On va commencer, alors, je vous le dis tout de suite, c'est un jeu de merde, hein. Vraiment ultra nul, et c'est, voilà, bon, Mais dis c'est, pas ça! voilà. Mais ne dis pas Mais ça! peut-être qu'en fait il est bien et que je me trompe totalement, et donc ça va être à vous de vous faire votre avis On va pouvoir en juger sur seul. ce Moi je jeu. découvre aussi en même temps Donc, que vous. la première chose faite, bon, voilà, on a un D'accord, en vise? fusil à lunettes. D'accord, donc tu fumes un champignon hein, ou tu fumes une clope Oui, devant ton viseur, alors tu oui, c'est tires. ça, oui, pour que ça stabilise, tu faut, voilà. Donc, je stabilise. Alors là, je prends. Ah, donc t'as vu, dès que je stabilise, ça va mieux. Voilà. Alors là, tu vois. Ah, tu Donc vois là, les organes. j'organe, Ah, tu c'est vois. sympa ça! Ça, c'est très sympa. Donc, par Ah, c'est très exemple, très moi, je sympa ça. tire juste là dans le Non, cœur. tire pas dans le cœur! Tir vital critique. Fallait pas tirer dans le cœur, faut la faire souffrir. C'est le but de la chasse, qu'elle court et qu'on lui tire dessus quand elle bouge. Non, c'est pas ça. Alors, en parlant voilà, on aime les animaux. Dans ce jeu, il faut savoir que je viens de tuer la gazelle, elle a disparu. Hein. On tue juste pour le plaisir de tuer. Hein. Un vrai jeu de chasse, quoi. Alors, il y a le bon et le mauvais chasseur. Ah, donc voilà. On précise que ce n'est pas nos voix originales ce que vous êtes en train d'entendre. On s'est mis dans la situation du jeu parce que je pense que c'est les beaufs de la chasse là. Je ne sais pas, vas-y, hein. C'est les beaufs à la chasse C'est là. Didier, il y aura. Waouh! Donc là, oh, une gazelle. Alors là, ils vont Oula! me dire, ah bah du coup, il faut courir pour la rattraper. Ah, excusez-moi, je bois un coup. Donc une bière, hein, vu qu'on est chasseur. Ou un coup de vin rouge. Voilà. Bon, je vais même pas regarder là-bas. Je présume qu'il n'y a pas de secret à trouver, hein, tellement que je vais pourri. Alors! On va quand même regarder les armes du chasseur. Regardons un peu Alors, les armes du chasseur. non, mais déjà, Alors. le chasseur tente pas de prendre armes sur Bah, c'est lui. un chasseur qui Alors, parle, qui il a fait, hein. donc le fusil avec une lunette. Bon, jusque-là, tout va Il bien, chasse tu le vois. dinosaure, tu vois. Il a trois armes sur lui. Alors, ensuite, il y a le. Alors déjà, c'est moins conventionnel comme arme pour chasser. Hein? Le Desert Eagle. Donc, il y a le Desert Eagle, parce que dans doute, je veux dire, hein. Non, mais Bon. je veux dire, la biche, elle est agressive. Elle bouge encore quand tu lui as mis une balle dans le cœur avec le sniper. Tu la chèvres au Desert Eagle. Exactement. Voilà. Et, voilà. Mais j'en ai sûr de rien. T'es sûr que c'est pas Serious Sam, le jeu? Donc, voilà, bon, je veux dire, hein, finalement, Attention, il y a des bruits. c'est un peu le but de la chasse. Et D'accord. pas que dans les armes. Donc là, on est parti pour tuer une gazelle. Enfin, je sais D'accord. pas ce que Avec c'est. un fusil à pompe. Oh, Bon. c'est quoi ça? Waouh, un guépard. Oh, les guépards! Il y a des animaux sauvages, disons. Donc on va aller voir. Il y a plein de bruit, tout ça, oh là là, qu'est-ce qui se passe, C'est machin. super mal fait quand tu cours. Ah non. Oh! Oh, il a tué la gazelle. Alors, mention spéciale pour la qualité des graphismes. On dirait que c'est un dessin, Bah, tu c'est de la Dreamcast, quoi. sais. C'est même Ceux qui se souviennent de la console pourront C'est confirmer. ça, c'est la Dreamcast un peu. Voilà. Donc là, oh, je suis tombé. Oh, Alors, t'es tombé! quel effet extraordinaire. Donc là, Il y on a va les guépards, ils avancer. vont t'attaquer. Alors là, premier. Il y a eu des trucs à gauche, là. Attention! Oh! Oh! En fait, voilà, il y avait un guépard derrière moi, je l'ai pas entendu. Mais du coup, quand il apparaît derrière toi, tu peux te retourner ralenti, là, tu Moi, ce qui vises les points m'inquiète, c'est qu'il vient vitaux. de disparaître dans la matrice. La matrice. Oui, bah, c'est normal, ça, c'est parce Ah, en que fait, c'est des c'est pour le guépards, c'est des plaisir de animaux. tuer. Non, mais c'est des animaux virtuels, c'est comme dans Alors, Total. c'est des animaux, n'est-ce pas, en voie de disparition. Ah, voilà, donc. Mais t'es sans pitié? Bah, non, mais il faut les tuer, parce qu'en fait, ils t'attaquent tous. Ah, donc là, en fait, tu sens l'odeur de la biche, c'est Donc ça? voilà, alors là, c'est ton instinct de chasseur, et tu peux voir où est-ce qu'il faut aller, donc Ah, voilà. vache, Et ouais. puis en même temps, tous les guépards, en fait, ils vont tomber des arbres. Parce que c'est connu, le guépard vient en communauté en haut Ah des ouais, arbres, non, mais perché en haut des ils vont arbres. littéralement tomber des... Ah, qu'est-ce que je viens de faire? Une roulade. Ah oui, on peut faire des roulades, c'est vrai. Waouh! Bah, c'est Waouh! des roulades de chasseurs, hein. Bon, alors, il peut descendre, peut-être? Voilà. Donc... Non mais. Bon, alors Non là, mais. donc on est toujours dans le jeu de chasse, hein. Mais le Greenpeace ou les trucs comme ça, ils vont valider le jeu là, hein. Je suis pas sûr. Ah non mais c'est clair que non, hein. Donc on est toujours dans le jeu de chasse, hein. Ah bah ouais, tu tues des animaux gratuitement quoi. Alors là, ça récupère quoi Donc de voyez, la on vie a une ça? barre d'endurance jaune, hein. Alors c'est sans déconner, là on teste la démo, hein. Attention, guépard! Non, mais c'est de la merde de Iceborne. Mais on est en train de tester la démo.
Mais le jeu, ne vous attendez pas à qu'il soit mieux. On avait déjà testé James Bond. Ah, c'est ça, les roulades. Ouais. C'est... Ah, d'accord. Donc voilà, alors là, il... on sait pas ce qu'il demande. Bah, il y en a deux dans les arbres, là. Ou alors, je sais pas si on peut en voir un. Après, tu peux reviser tout le temps les points vitaux. C'est en fait, quand tu fais ton truc comme ça, ouais. Ça utilise ta barre jaune d'un singe chasseur quand tu vises un... Ah, pour viser les organes. Ouais, ouais. Ah, donc là, faut tirer. C'est très bien fait. Non mais, je veux dire, le guépard, c'est pas un ninja. Bon, on va le finir en désertigole. Oui, il faut pas tirer plus vite, par contre. Oui, il vient... Là, le jeu. Voilà. Alors, on va avancer un petit peu pour voir les lions, quand même. Parce que les lions, ils font du coup le fou dans ta gueule. Non mais t'es sérieux, le guépard, il t'attaque, il saute dans l'arbre. Et le boss du niveau, c'est un hippopotame. Bon, alors là, tu viens de me buter, là, j'ai pas envie de le voir. Le boss du niveau, c'est un hippopotame. Je sais pas pourquoi, attention. Ah, ah bah, il y avait un... Oh là, c'est des ninjas, t'as vu, tu l'as même pas vu. Des guépards ninjas. Oh, il a sauté. Voilà, je fonce parce qu'on s'en fout, c'est pas intéressant. Attends, je sais pas où je vais prendre mon instinct de chasseur. Le truc est totalement... Guépard. Allez, voilà. Donc, c'est le gentil guépard, hein, c'est le... Hein. Voilà, il est mignon, hein. Il est mignon comme le gentil chasseur. Ah, chasseur, voilà, hein, voilà, alors, voilà. Hop là, on va utiliser un petit peu le fusil à pompe là. Hein. Là donc, c'est le lion. Donc là il nous explique que si vous tuez le chef de la meute, tous les autres disparaissent. Et là on se dit, il n'y a donc du coup que cette meute là. Oui. Hein, donc on se dit voilà, ils disparaissent. Et vous allez voir que finalement la horde, ça existe aussi. Hein, voilà. La horde c'est pas que dans les jeux de zombies et tout. Donc là on vise de très loin parce qu'on est un bon chasseur quand même, hein, des deux bouts tout va bien. Alors là, on se concentre un peu. Alors là, du coup, on refait un deuxième zoom. C'est pas son. Et alors là, on se met en plein dans la tête. Là. Dans la tête, entre les deux yeux. Oh, le cerveau. Il a un gros cerveau, je trouve, quand même. On retient vachement sa respiration, mon temps. Ah, il est pas raté. Comme un. Ah, mais on peut reprendre tout de suite après, j'ai l'impression. Attends. Tu peux pas zoomer, qui ? Voilà, c'est mon sang-froid. Bah, en fait, tu zoomes, c'est quand tu. Est-ce que tu peux tirer dans son cerveau ? C'est un peu plaisir. Eh bah, tu l'as eu. Voilà. Donc là, il n'y a plus personne, on se dit. Ah. Ça y est. On est. Là, c'est bon, là. On est bon. Mais c'est ignoble! J'en charge quand même. Hein. Oui, alors, ils nous ont rien fait, puis je te dis, on tue pour tuer, quoi. Donc je pense que tous les shredders. Voilà, alors là, il y a une musique. Voilà. Oh putain. Donc là, c'est parti. Non, mais c'est normal. Voilà. C'est d'une sérieusité. Non, mais LOL! Oh putain, tu vois, on est balèze quand même. On est pas la moitié d'un pécho. Hop là! Attention, les skis là! Hop! Tiens! Hop là! Faire baisser, quoi. En fait, c'est quand ils sont derrière toi, tu peux cibler comme tout à l'heure. Ah oui! Hop là! Hop là! C'est sympa ce jeu, hein! C'est réaliste, c'est cool! C'est du pur plaisir, c'est bon. Non mais sans déconner, le mec qui a fait le jeu, il s'est dit quoi? Je sais pas, non, franchement, c'est pas possible. Ouh! Ah, ça revient là? Alors, je me suis dit, c'est un bug, genre. Il reste là indéfiniment, ouais. C'est ça, en fait non, c'est il y a plusieurs vagues. Voilà. Un petit coup de désertigueux peut-être. C'est pas trop difficile d'être désertigueux. Non, hein. Bah non, on va te faire un désertigueux. Tu vas pas t'en aller mourir. Non, si, t'inquiète. C'est la barre verte en bas, hein. Ah oui. Tu perds jamais de vie. Bah en fait, là j'en ai récupéré, je peux pas. Alors moi, je me défie quand même n'importe quel chasseur de faire ce que tu viens de faire. Oh. Bien sûr. Voilà. Alors c'est génial pour utiliser le truc si tu veux, c'est la flèche du bas ce qui fait qu'on peut pas utiliser le stick en même temps quasiment. C'est... Bon, en même temps tu vas à 2 à l'heure, donc c'est pas trop grave. Non mais c'est ça. Ça te défonce la barre jaune, hein. Voilà. Non mais c'est n'importe quoi. Attention. Tu vois, il surcharge quoi. Oh, il m'a touché. Voilà, donc ça c'est ça. C'est... Oh, il m'a touché. Quelle belle cinématique. Ah, il y en a encore un. Hop là, toi ta gueule. Non mais... Oh, on se calme. Ouais. C'est un Call of Duty, si on déconne, hein. Non mais c'est... En fait, c'est comme dans Time Crisis, le jeu il va sortir en borne d'arcade, et tu vas t'amuser, ce sera pas un jeu console. C'est ça. C'est pas possible. Mais j'ai pas l'impression, malheureusement. Et... En plus, tu vois, ils te mettent bien, hein. Voilà, et toi... c'est pas très cher. Bon, on va avancer un petit peu, juste essayer de pouvoir vous montrer le prochain animal. Mais en fait, les armes que t'as dans la démo, ça m'effraie. J'ai peur que t'aies après de lance-roquettes et tout comme ça. Tu vois. Oh, moi je dis c'est possible, vu que ouais, c'est parti. Ah, oui, et puis tu sais, après ils pourchassent et tout, c'est les ennemis un peu quand même. Hein, c'est...
Donc ce n'est pas du tout un animal protégé. Non, c'est un animal qu'il faut même tuer comme le pigeon, il prolifère. Ah, mais ça, c'est un bon exemple pour la jeunesse. Mais qui c'est qui... En fait, c'est dommage qu'on ait pas un couteau pour qu'on puisse cuter les lions, tu vois. Déjà, explique-moi, pourquoi tu as téléchargé ce jeu? Parce que un jeu de chasse, j'ai envie quand même d'essayer. Alors là, voilà, alors là, attention. Là, il y a du changement de... Voilà, c'est bon, c'est fini. En plus, c'est une fausse histoire, genre, oh là là, vous êtes blessé, machin, je rejoins le camp et tout. Le mec, il est parti pour tuer une gazelle. Même, juste pour le fun. Mais lui, s'en fout, lui, il tue. Non, mais elle, c'est pas possible, tu vas tomber sur des tyrannosaures. Et alors là, j'ai foncé, mais en fait, on peut tuer beaucoup plus de gens. Hein. Donc, le prochain animal... Des oies. Il va arriver. Alors, bon, il y a ça. Des miquettes. Voilà. Oh, un crocodile. Le crocodile. Il résiste, hein, le bug. Il résiste, le crocodile. On va peut-être montrer l'hippopotame rapidement, hein. Ouais, si t'arrives à y aller. Ouais, ouais, c'est juste après. Bon, c'est pas grave, ils font que dalle, de toute façon, c'est de la merde, c'est super facile. Ah, si, t'as perdu pas mal de vie, hein. Ouais, mais il y a des plein de trucs de vie partout, regarde. Mmh. Alors là, il y a un serpent, quelque part. Non, c'est le crocodile, je pense. Ah oui, peut-être. Alors voilà, on avance. Donc là, on va tomber sur le boss de fin de niveau. Je ne déconne pas. Donc là, on a chopé des munitions spéciales. C'est quoi? On sait pas ce qu'elles ont spéciales, ils te disent, ouais, je sais, des munitions spéciales. Ok. Donc là. Oh là là, il y a un truc qui bouge là-bas. Oh. Ah, puis il est énorme, l'hippopotame, hein. C'est pas l'hippopotame de PD, hein. Mais alors, là, lui... alors t'es où, mon gros? T'es là. Il marche un peu mal, là, ça. C'est vrai que tu fais comme ça, tu mets ton instinct de chasseur. Et par où arrive-t-il? Bah, à gauche, là, non? Voilà. Voilà, donc après avoir niqué toutes tes munitions spéciales, tu es content. Mais en fait, il est venu à chier le boss là. Juste ouais, à faire B quand tu vois. En même temps, le jeu est pas très compliqué, hein. Je viens quand même de me fumer, je sais pas combien de lions. Il est où là? Ah, en fait, il arrive de là où il disparaît. Mais tu peux pas prendre une autre arme plus rapide? Si, on va faire ça, ouais, on va prendre là. Voilà, on va prendre l'arme de tout chasseur. Voilà, ça se met une balle dans le cul, là, il est parti. Et attention, alors là, le gros finish qui met fin à la démo. Ah mais c'est du... Moi, on vous le montre parce que... Comment oser sortir un jeu comme ça, quoi? À la limite, bon, sortir un vrai jeu de chasse, même pourri, mais ça, c'est pas un jeu de chasse. C'est un jeu de merde. Mais c'est un jeu en pied. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, oh là, c'est le truc de fou. Et attention, là, le truc à la Call of Duty. C'est un crocodile. Alors là, c'est bon. Vas-y, tire, il faut tirer. Voilà. Ça, c'était à la Call of Duty, tu te fous de ma gueule. Je veux bien que tu puisses critiquer Call of Duty, mais alors tu compares pas cette merde à Call of Duty. Non, mais c'est pour faire... Voilà, là, c'est fini. Et là, c'est voilà. Jouer avec le tout nouveau Shot Firmster, un capteur cardiaque. Donc tu peux jouer en fait, avec... c'est pour justifier la sortie d'un accessoire inutile. C'est ça. Donc on va quand même montrer un petit alors, peu... Alors du coup, voilà, on va pas vous laisser là-dessus quand même. On non, va... Non. Il y a un... un jeu de prédateur. Alors là, là, c'est la meilleure partie du jeu. Regardez alors, bien ça. Alors là, on l'a jamais fait. Donc, du coup, on va découvrir un tango. Donc, chacun choisit ses armes, etc. Donc, voilà, je vais prendre le fusil à double canon, l'arbalète à répétition, le fusil semi-automatique. Moi, je vais prendre l'arbalète est recommandée. Ouais, mais ça va être cheaté un peu, non? Je sais pas. Moi, je vais peut-être prendre le fusil. Bah, moi, je vais prendre l'arbalète. Hein, voilà. Je vais suivre les conseils de... Et vas-y, je te laisse faire. Voilà. Alors, c'est parti. Donc là... On découvre comme vous, le mode prédateur et ennemi sont indépendants. En mode prédateur, vous commencez à bon, vous pouvez lire aussi. Alors, donc là, il est en bas à droite, c'est dégueulasse. Tiens, c'est bien, ils ont laissé le 16/9 gen, bien faire ça. Donc là, c'est parti. D'accord, c'est one shot, l'arbalète. Ah. Ah, j'ai l'arbalète quand même, j'ai moi. J'ai été sauvé, ouais, moi aussi, j'ai tout, en fait. Ah, donc, quel est l'intérêt? On a toutes les armes, sans déconner. On a toutes les armes. Quel est l'intérêt de choisir son arme au début? Oh, il y a un singe! Au revoir! Ah, mais je sais! En fait, c'est... Tu es arrivé sur l'arche de Noé et il s'est rendu compte qu'il en avait pris beaucoup trop. Ah oui, il y a des panthères, il y a des. Je peux... Ah ouais, c'est par manche et tout. C'est... La prochaine manche commence dans 13 secondes. Donc je présume qu'il y a des explosifs quelque part. Ah bon? Bah ils ont dû trouver les explosifs et. C'est une blague? Non, non. On va chercher les. Donc il y a de la vie, tout ça. Hein, Chasser les animaux ciblés. J'ai pris quoi là? Ah, il y a un singe qui m'attaque. On va voir le singe. Mais ça fait quoi l'espèce de truc à fléchette là, j'ai pas compris. Alors là il y a une cible en fait, alors je pense que si tu le tues... Il y a un singe qui... Ok, alors je me suis fait emmerder. Non en fait il y a une espèce de... Ouais, animaux ciblés. Ah en fait faut tuer les animaux ciblés. Ouais. Mais en vrai comme ça t'as fini la manche. C'est de la merde l'arbalète. J'ai jamais kiffé autant un jeu comme ça quoi. C'est de la merde l'arbalète, ça tue en un coup. Non c'est bien. Touché.
Alors en fait, vous prenez l'arbalète, vous êtes invincible. Et sans déconner, c'est sûr qu'il y a des explosifs, là, t'as bien entendu. Enfin, j'ai bien lu surtout, il y a un truc là. Mais pack de munitions. Pack de vie. Pas d'explosifs, dis-moi. Mais non, j'ai pas. J'ai instinct. J'ai de gauche, j'ai de droite. Je dis pas. Je sais pas, on peut peut-être se déplacer un peu dans la map. On peut. On peut pas aller en dessous là-bas, là, vis-à-vis d'où il sort. J'en sais rien, on peut. Il y a un singe là. Alors, tu vois, t'as vu les touches RB et LB, c'est pour. Oui, c'est pour. Ah, je me fais violer par lion là. Faut venir m'aider là. Faut venir m'aider. Je tue là. Ah, non, mais viens, viens proche peut-être. Moi j'arrive. Qu'est-ce que je fais là? Je sais pas, fais quelque chose. Bah, je lui tire dessus, mais. Ah. Ouais. Putain, c'est non. Ah bah, du coup, je me suis fait dessouder là. J'ai pas compris. Ah, mais en fait, la vie revient tout le temps, j'ai l'impression. Je lui tire dessus. Ah oui, ça remonte au. Non, ça remonte pas. Non, non, mais la vie revient tout le temps sur les côtés, je veux dire. À chaque manche. J'ai pas compris pourquoi tu te faisais violer par le lion. Bah, parce que il m'a sauté dessus. Normal. Fais gaffe, y'a un truc qui sort au-dessus. Mais ça, je l'ai pris tout à l'heure. Okay, aïe! Oh, c'est chaud l'arène, hein! Oh, la panthère! Mais sans déconner, mais putain, en plus, vous avez vu les animaux confus, genre, c'est. Mais moi, je tue un singe blanc, là, c'est sérieux, le pauvre singe, j'ai rien contre un viking, moi, laissez-moi tranquille. Ça, c'est une arbalète, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais. Triple dose de. Trouvez la caisse d'explosifs et ramenez-la. Ah, y'a vraiment une caisse d'explosifs. Bah ouais! Tu vois, donc ça, ça réapparaît par exemple. On regagne notre vie à chaque manche. Elle est où la caisse d'explosifs? Bah attends, on va. Attends, on peut aller par là, tu vois, regarde. Ah ouais? Bah vas-y, go. Ah, rien à foutre du civil blessé. Je sais pas où il est. Voilà. C'est ça, puis il y a un, c'est quoi ça? Ah, le civil, ça doit être là-bas. Et t'as trouvé la caisse? Non. Vas-y, je cherche, va avoir le civil. Il y a une caisse, je peux l'utiliser. Alors là, évidemment, c'est un mur invisible sur mon écran en haut à gauche, hein, on peut pas sauter dans le vide. J'adore la vitesse avec laquelle il court, c'est bien. Je sais pas, y a pas. Ah! Munition spéciale, pistolet, c'est pas ça? Plus qu'une minute. Munition spéciale, fusil. Ça risque d'être violent. Oh putain! Regarde! T'as vu ce truc que ça fait sur mon écran, la munition spéciale? Non, mais j'ai trouvé le civil, je crois qu'il est mort. Ah, c'est pas grave, apparemment. Maintenant, il l'attaque là. Ça n'a pas l'air pour les déranger. Mais ouais, la caisse. Peut-être qu'il n'y a plus de caisse explosive, vois-tu? Non, mais regarde ce que ça. Attends, vas-y, tiens, toi! Alors, regarde moi, comment ça bouge. C'est. T'as l'impression d'avoir un. Je pense que c'est. Un truc à recul. Mais c'est de la merde, c'est de n'importe quoi, ce jeu. 2-1, hein, c'est de la merde. Et puis 2-2. 2-2, c'est inhumain, c'est tout côté. C'est la première fois que j'ai autant d'amis. Sûrement la dernière fois. Oh, j'ai eu bébé! C'est pour. Mais j'ai l'impression qu'on est les meilleurs, on va faire le meilleur score du monde là. C'est pour embrasser les poneys! Voilà, ou le pack de soins. Ah, bah, la panthère, Oui. Tu me laisses tranquille, toi? Tuez tous les animaux! Allez, tuez les animaux, on n'aime pas les animaux. Ouais, mais ce qu'il veut, panthère! Hop là! Ah, putain! Ah, c'est un truc qui m'a loupé là. Singe! Bah voilà, on est bien sorti. On peut se tuer, tu crois? Je sais pas, Ah non, on peut pas se tirer dessus. Alors on peut défoncer les animaux, alors vraiment t'es sauve. Tu vois ta gueule, mais j'ai pas vu ta gueule. Oh, t'es de toute beauté. Trouvez la caisse d'explosif. Ah! Là, il y a une caisse d'explosif. Allez, là-bas alors. Et là, faut lui. Voilà. Je sais pas comment je te défendre là. Mais c'est ça en fait, on s'en prend dessus avec l'arbalète. C'est... Putain, il commence à me faire chier. Me laisse passer. Oh, attends, je peux te. Ah, il y a un autre lion. Ah, bah voilà, TNT. Ça serait bien que le lion, je peux ramasser. Ah. Voilà. Prenez la caisse... Placez la caisse d'explosif. On doit la placer où, la caisse? Je ne sais pas. Ouais, il y a le lion qui m'attaque, alors j'essaie de l'esquiver. Il n'y a pas un endroit où ils te mettent qu'il faut la placer, là? C'est défoncé. Bah, non. Peut-être la mettre à la porte, non? Oh, les noscopes. Peut-être la mettre là. Tire dedans, pour voir. Non, faut la placer quelque part. Et ils mettent pas où? Si, si, là-bas. Il y a un petit point encore, tu vois. Ah! Putain, il y a un lion, fais gaffe. Éloignez-vous de 20 mètres et tirez dans la caisse. Vas-y, tire dedans. D'accord. T'as rien, toi! Je ne fais pas, mais tiens, viens me sauver.
Du coup, on a fait un trou. Ah ouais, ça va trop vite à soigner en plus, c'est nickel. Bon, je vais être pas la forme. Et là, du coup, il y a de la vie et des munitions. Voilà, c'est de la merde. Bon, on va peut-être arrêter là, hein. Ah, c'est génial comme jeu, j'y ai joué toute la nuit, quoi. Voilà, donc on vous le conseille fortement, hein, pour, surtout pour ceux qui aiment les animaux. C'est de la grosse merde. Ah, mais prends le sniper, hein, mon gars, ça tue en une balle et tu peux faire les noscopes que tu veux. C'est un peu comme l'arbalète. Oh putain, il m'a chopé le lion. Bah attends. Vilain. 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 Oh, il est parti, ça y est. J'ai une envie. Je suis en vie. Du mal, les noscopes, hein, okay. Un peu mieux. Ta gueule, le sang, putain, c'est vraiment... Encore, c'est, encore. C'est hallucinant, quoi. Voilà, et ben on roulait sur ce jeu, mais... Bah, si vous n'avez pas acheté Black Ops 2, si vous aimez les FPS qui envoient du pâté, qui ont le mode histoire le plus intéressant, le multijoueur le un plus un multijoueur actif, très très... du contenu, des bonus, etc. Franchement, prenez-le. Vous pas. Prenez-le, quoi. Ah, il y a encore un lion, t'as vu. En fait, plus ça avance, plus il y a de lion, quoi. Arrêtez-le. Bon, en plus, je fais n'importe quoi, j'esquive même pas une fois, si tu veux. Si on le jouerait vraiment sérieux, bah, c'est une bah, difficulté quoi. Enfin si, peut-être à la manche 30, mais bon... Ouais, j'ai mis une flèche dans les fesses, le lion. Bon, et ben on va s'arrêter là. Tu vois, c'est 7100, 35, 46, c'est n'importe quoi, c'est... Tu es 46, moi? Bah ouais. Comment, je t'ai dosé? Mais j'ai plus de points que toi. Je nous n'ai pas possédé. Voilà, et en plus, il y a plein de packs de soins qui remplacent à chaque fois. Attends, je vais voir là-bas. Alors donc, c'est définitif, hein. Les trucs de soins réapparaissent. Ah oui, à chaque manche. Tu peux faire apparaître pendant d'un sens explosif. Réparer les radios. Putain, c'est n'importe quoi. Bon, il y a des soumissions qui pourraient peut-être donner un intérêt quelconque si le jeu était... Y a des soumissions et des sous-merdes. Si le jeu était plutôt bien fait, mais... Et c'est dommage parce qu'ils sont pas arrivés à laisser les espèces de QTE et qu'on t'attaque par derrière en même coup. Et ben moi, je trouve ça dommage, tu vois. Mais... Tu me laisses le singe. En plus, t'as la visée automatique, hein. Ouais, je sais. Faut le dire, hein. C'est pour ça que je joue sur un sniper, mais ça au sujet. C'est plus simple. Bon, l'arbalète, c'est plus simple. Non, je t'assure, le sniper, c'est pas mal. Voilà, bon, de toute façon, il suffit de faire quelques roulades afin d'esquiver. Afin d'esquiver, tu fais des belles. Merci. Bon, là, ils sont en train de m'attaquer, ça arrive pas mal. Mais je veux dire, ils sont je sais pas combien, là la difficulté quoi. Mais la vie remonte tout seul ou quoi? Non mais c'est je sais même pas si les packs apparaissent pas en fait avant même de la fin de la branche. Mais je me demande. Oh là, il y en a qui s'est mis en haut, difficulté à plus. Attention, il va sauter. Mais non, je vais sauter. Non, il saute pas non. Voilà. Ah, il y a des messieurs, il y a un lion, il y a un lion. Voilà, tu vois, on a un objectif à faire pour réussir la manche, tu vois. Putain, je me suis fait défoncer. On devait réparer les radios, bon, on l'a pas du tout fait, mais donc voilà, on peut... il y a quand même des objectifs, hein. Il y a quand même des points intéressants dans le jeu, hein, comme quoi, par exemple. Comme les objectifs. Le boss arrive. On peut peut-être faire le boss. Le boss arrive. J'ai entendu le boss arrive. C'est qui le boss? Un hippopotame. Si on a un hippopotame à deux, bon, on fait, hein, je suis désolé. Merde. Ouais. T'as bien foiré, c'est bien. Oh, je l'ai eu. C'est où que t'as vu le boss arrive, toi? Ah non, c'est d'autres arrivent qui disent peut-être. Ouais. Enfin, je crois qu'il disait le boss arrive. Non, il n'y a pas de boss. Y'a un lion! Je sais, il y a peut-être un boss à la manche 10, mais on va peut-être pas aller jusque-là. Y'a un lion, regarde! C'est tellement impressionnant. Y'a un lion saut! Oh, l'esquive du lion! Allez, bouffe! Allez, bouffe! Ah, mais tu vois, en fait, à force que tu tues des mecs, t'as plus d'endurance et plus de points de vie. Ouais, j'ai vu ça. Oula, t'as attaqué. Donc, en fait, c'est grand cheaté, quoi. Bah, en fait. Ce jeu, c'est de la merde. Oui, c'est. Ah! Ça résume tout, ça. Lâche mon copain! Tu sais pourquoi j'ai récupéré toute ma vie? Plus PV, plus endurance, quand même shoot, et bien vas-y, continue. Shoot-moi la gueule. Moi j'ai mon cilier de désertigueule. Bon, ça fonctionne, hein? Bon, pour un désertigueule, je trouve que ça fait pas beaucoup de dégâts, mais non plus. Ouais, il reste pas besoin. C'est rare! Tu te mets à 4-5 jours de désertigueule! Ah, y'a du temps! Ah. Et ben voilà! Voilà, et là on a perdu. Parce qu'on n'a pas fait la manche dans le score temps. Total 17. Là, en plus, c'est compliqué les manches hein, dans le temps parti, si tu veux. T'as même pas besoin de tuer les gens, c'est pas grave. Non, mais c'est... Moi, j'avais une caisse autour de 3 lions et... Je suis précis, quand même, hein. Je suis où, moi? Ah ouais, on est précis, tiens. Plus d'un tir sur deux qui rentre. Ouais.
Voilà, voilà. Bon, et bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'achetez pas le jeu, hein. Ah bah si. On ne dira pas assez, sauf si vous aimez les animaux. Moi, je l'achète, hein. Ceux qui en ont, ils m'invitent sur le Xbox Live, on fait des parties quand ils veulent. Voilà, et bah c'est bien. Bon, bah, allez, plein de gros bisous, à la prochaine, et puis bye bye. Bye bye tout le monde, et chancez bien.